Pour donner à manger aux pauvres. Des biscuits faits à la maison comme dans l'ancien temps. Monsieur, madame. C'est pas pour moi, c'est pour les pauvres. 3 $. Merci. Bonne journée, hein? Faut pas faire attention. Je sais rien. C'est dangereux de te promener sur le trottoir que dans la rue quand c'est pas les bicyclettes, c'est les vendeurs. Non, mais non, pardon. Marie-Valois! Sophie, mariée! Qu'est-ce que tu fais là? Toi, qu'est-ce que tu fais là? Je suis notaire au tranche là, côté. Je vends des biscuits pour les pauvres, ici. Oh, mais t'es bien belle. Merci. Oh, excuse-moi, c'est de ma faute. Je vais les prendre. J'aime ça, les biscuits cassés, ça engraisse moins. Combien? C'est pas pour moi, c'est pour donner à manger aux pauvres. 3 $. On est pas là. Allez, viens, t'assois, qu'on se parle un peu. Ça fait quoi? 10 ans qu'on s'est pas vus. Parce que là, je peux pas, faut que je retourne au bureau, je suis déjà en retard. Quand je magasine, je peux pas l'heure. Prends le temps. Notre rencontre, c'est pas un hasard. Il y a pas de hasard. Mais c'est croisé sans se frapper, je t'aurais pas reconnu sans peine. Moi non plus, t'as l'air d'une madame. Ah! T'as l'air d'une petite fille. Je te dirais bien l'espère, mais c'est pas pour moi, c'est pour les pauvres. Ben, comme ma carte Visa était pleine, puis ma Mastercard aussi, j'ai payé cash. Je suis cassée, je dépense de ce temps-là. Ben, dis-moi, tu dirais, je vais t'envoyer un chat. Cette semaine, je vais être ici tous les jours. Ah oui? Ben, je vais repasser. T'as l'air tellement... Je vais revenir. C'est pas pour moi, c'est pour les pauvres. Acheter mes biscuits pour donner à manger aux pauvres. Des biscuits faits à la maison, comme dans l'ancien temps. Merci. Je serai dans mon bureau de l'après-midi. Je comprends pas, là, c'est que vos reçus de TPS et de TVQ ne soient pas encore arrivés. Êtes-vous sûr de me les avoir postés? Non, c'est parce que si je les ai poursuivis, c'est peut-être parce que vous avez oublié de les poster. Non, c'est pas ça, là. Ce que je veux dire, c'est que... Juste une minute. Écoutez, je vais vous demander de regarder si vous auriez pas... Juste... C'est pas ça que je dis. Regardez ce qu'on va faire. Je regarde de mon bord, c'est peut-être moi, puis je vous appelle demain, OK? C'est ça, je regarde de mon bord, ça c'est sûr. Bonne soirée à vous aussi. Bye-bye. Rentre tout seul. Je vais m'avancer un peu, j'arrive pas. On avait dit pas de travail le soir. J'étais comptable dans ce temps-là, là. Je suis gestionnaire. On s'était dit, on va travailler pour le même trust, comme ça on va être tout le temps ensemble, on se voit moins qu'avant. Je suis débordé, là. Manger au restaurant. On va jamais au cinéma comme avant. Mais j'aimerais mieux m'avancer. Ben tiens, va magasiner, t'aimes ça. La question est pas là. Oh, puis l'espère, je vais m'arranger. Bon, t'es pas encore contente. Qu'est-ce qu'il te faut? Je sais pas. Je viens d'une grosse famille, j'aime ça avoir du monde tout autour. Tout ça, c'est plate. Marie... se bâtir un avenir. Faut faire des sacrifices. As-tu besoin d'argent, toi? C'est when.
magasiner. Après ça, on ira manger dans le quartier chinois. OK? Attendre à demain. C'est pas pour moi, hein? C'est pour les pauvres. Regarde tout. Hey, merci. Hey, je t'amène du coup au restaurant. Oh, je peux pas. Il faut que je vende des biscuits jusqu'à 9 h. Oh, c'est pas pour moi. Là. C'est pour soupe, les... de toute façon? Je soupe pas. Ben, on pourrait peut-être se rencontrer quelque part après ta vente, là, autour d'ici, puis jaser. Au monument à 9 h. Ah oui? Bon, ben, OK, d'abord. Bon, ben, je vais aller magasiner en attendant. Je me cherche un maillot de bain à 1600. Dieu me retrouve. Acheter des biscuits pour donner à manger aux pauvres. Des biscuits faits à la maison, comme dans l'ancien temps. Madame, chez Thursday comme dans le temps. Hey, te souviens-tu de nos sorties du vendredi soir? Je bois pas. Ah ben, on mangera, faut que tu manges. Je jeûne aujourd'hui. Si on veut parler, c'est... On n'a pas besoin de dépenser pour se parler. Changé, toi? Oui. T'as l'air bien. Je suis bien. J'en reviens pas. T'es tombée dans la potion magique? Tu l'as. Non, hey, c'est quoi? L'amour. Non, je vais pas me dire de prendre quelque chose en plus. Je sais pas, moi, des granules homéopathiques, des herbes chinoises, ou plus fort. Sophie, dis-moi pas que... Non, c'est l'amour. Moi aussi, je suis en amour avec mon mari, j'ai pas cet air-là. C'est l'amour, je peux juste te dire ça. Une petite chanceuse si rare, ça. Oui. Oui, je le sais. Qui sait? Tu sais, comme j'avais toujours besoin d'être aimée, comme je cherchais toujours l'approbation des autres, puis que j'étais toujours déçue. Ben. T'as rencontré l'homme idéal? Oh, plus que ça, parce que juste l'homme idéal, ça avait pas pu remplir ma quête d'amour. J'en ai passé des hommes. Ça n'a jamais pu remplir toutes mes attentes, tous mes besoins. Puis un jour... C'est qui? J'ai rencontré l'amour qui compte tous les besoins, qui remplit toutes les vides. Présente-moi là, il y a peut-être un frère. Pour la première fois de ma vie, je me suis sentie bien. Tu sais, les questions qu'on se posait quand on était à l'université... Pourquoi on est sur la terre, d'où on vient, où on va, pourquoi la guerre, la mort? Ben, je connais la réponse maintenant. Je peux peut-être le faire cloner, ton rôle. Je peux te le présenter, si tu veux. Ben non, Sophie, t'as le couvent ensemble, je peux pas voler ton chum. Ben, c'est pas un chum. C'est une vie. C'est une façon d'être, de penser, de vivre. C'est une réponse à tes questions. Bon, écoute, j'ai fait des thérapies, une puis une autre. J'ai pris des cours de croissance personnelle, j'ai une voyante, j'ai fait faire ma carte du ciel, je suis nouvel âge au bout. N'a pas de réponse. Qu'est-ce que tu fais en fin de semaine? Ouf. Ouf, chez les parents de mon mari, c'est leur tour. La semaine passée, c'était les miens, là, c'est les siens, tu sais. Il y a une fin de semaine intensive d'amour. Je t'invite. Ah ben, je sais pas, là. Ça me tente. T'écoutons. T'as-tu découvert la crème anti-rides du siècle? Oui.
Oui. C'est une crème pour l'âme. En veux-tu? Oui. 5 gallons. Ben, la semaine passée, c'était chez tes parents. Cette semaine, c'est autour des miens. Mais sais-tu, vas-y, toi. Moi, je pense que je vais rester. Ben voyons. T'as fait un bouilli pour toi, puis de la tarte aux pommes. Vas-y. Moi, j'irai pas. Ah non, 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 non. Si tu viens pas, je vais pas certain. C'est tes parents, une fois. Ben, tu peux pas faire ça, maman. Elle t'attend. Puis c'est son tour. Si on se met à sauter des tours, j'ai envie de prendre une fin de semaine off. Ben, toute seule. Enfin. Pour être seule. Mais j'en prends-tu des fins de semaine tout seul, moi? Ben, tu devrais, ça n'a pas de bon sens être tout le temps ensemble. Mais c'est toi-même qui disais hier qu'on l'était passé. Je suis bien avec toi, moi. Moi aussi. Mais là... C'est votre fille. Vous la connaissez? La semaine a passé. Puis là, le vendredi... Yes! Hey, c'est une fin de semaine, de pas un an! Ben, si c'est chic, j'ai ce qu'il faut. Si c'est casual, j'ai ce qu'il faut. Si c'est simple, j'ai ce qu'il faut. J'ai pas demandé s'il y avait un court de tennis ou bain de piscine. Ça fait que j'apporte tout au cas où. Je veux que tu m'appelles en arrivant pour me dire que t'es arrivée, OK? Oh, ben voyons, Charles, je m'en vais pas à perdition. Je m'en vais chez mon ami de couvent, à la campagne. Où? Je le sais même pas. Ben, je vais bien voir. Une campagne ou une autre, tu sais. Pourquoi qu'elle vient pas te chercher ici? Si elle te connaît tant que ça, là, elle doit bien savoir que tu vas avoir deux grosses valises. Ben, elle m'a donné rendez-vous au Square Philippe. Pourquoi faire? Hé, hey, je pars pas avec un amant, là. En tout cas, appelle-moi en arrivant, OK? Franchement, j'ai 30 ans, je suis pas une enfant. Ben, j'aime pas bien ça, cette histoire-là. Je t'ai vu toi midi avec elle dans Square Philippe. Hey, weird. Hey, non, c'est pas ça. Comment ça être comme elle? En tout cas, je vais aller te reconduire. Non, 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 merci, je suis assez grande. OK, OK. Je te laisse pas pour la vie. 2 jours pour moi, c'est la vie. Je t'aime. Moi aussi, je t'aime. Bye. Mieux que ça. Je t'aime. T'inquiète-toi pas. Puis, va jouer au golf. Profite-en. C'est ça. Profite-en, toi aussi. Oh mon Dieu, tu te vois pas l'air, on dirait que tu t'en vas à mon enterrement. Ben, tu te vois pas l'air, toi non plus, on dirait que tu t'en vas te marier. Chez nous, quand j'étais petite fille. Oh. On est d'une famille comme avant. Bon, viens, je vais te montrer la chambre. Salut, à tantôt. Oui, à tantôt. Salut. C'est Joseph, c'est Marie. Il manque juste Jésus. C'est mon ami, c'est notre invité. Ça sent bon. Biscuit. Il est très, très simple. J'ai vu ça, oui. C'est ici qu'on mange. On dirait un réfectoire. On fait tout nous-mêmes, hein? On n'achète rien. Bon, bien, notre chambre est par ici. Ah oui. Un dortoir, comme au couvent. Ça te fait rien. Ah non, c'est le fun. Tu vas dormir ici, puis je vais être juste à côté de toi.
Tiens, mets ça. Il y a même une tunique. Coudonc, y a-t-il une mère supérieure? Non. Pas une mère supérieure, un être supérieur. Oh, j'ai assez hâte de le rencontrer, ton... l'homme de ta vie. C'est qui, les filles? Oh, des filles comme moi, comme toi, qui ont trouvé ici la réponse à leurs questions. Mes valises. Ah, mais ça, tu vas être comme nous. Ben, je sais pas, là. On est toutes égales ici. Ça a l'air d'un surprise-surprise. C'est quoi, ça? Ben, l'émission de télévision, tu sais bien. On n'a pas la télévision ici. Non? Mais qu'est-ce que vous faites? Es-tu prête? Ouais, ouais. Ce sera pas long. Comment ça? Je suis correcte? Il me reste du rouge à lèvres. Ça chante tout le temps ici. C'est ici qu'on se réunit. C'est grand. Bonsoir, Marie. Je t'attendais. Je lui ai parlé de toi. Moi, c'est Soum. As-tu peur? Non, non, j'ai pas peur. Tu sais que t'as pas besoin d'avoir peur. T'es en sécurité ici. Oui. C'est que le vendredi, j'ai ma semaine dans le corps, puis je suis bien fatiguée. Oublie ta semaine, Marie. Oublie ton travail. Oublie tout. Détends-toi. Respire. Respire, c'est ça. Oui. Ouvre tes mains. Ouvre ton esprit, ouvre ton cœur. Détends-toi. T'es ici pour relaxer, non pour être bien. Ce que je veux, c'est que tu sois bien. Tout ce que j'ai à te donner, c'est de l'amour. Ouvre ton cœur et laisse l'amour. Tu résistes. Non, résiste pas. Pourquoi tu ris? L'hypnose, ça marche pas avec moi, ça me fait rire. Moi, je ris pas. Excusez-moi. T'es ici dans la maison de Soum pour rire? Non, non, non. Non. T'es ici pour quoi, Marie? Ah, ben, j'ai rencontré Sophie par hasard. C'est pas un hasard. Il n'y a pas de hasard. C'était ton destin. Puis je l'ai trouvé tellement changé en mieux que ça m'a tenté d'en savoir plus. T'es venue chercher quoi ici? Je la trouve tellement. C'est pas une religion, toujours. C'est un mouvement d'amour. Dehors, c'est la tempête, c'est la guerre, c'est la violence, c'est la maladie, la pauvreté, la misère. Mais ici, on se donne de l'amour, on comble nos vides. T'es quelqu'un de très spirituel, non? Oui, je le lis dans tes yeux. T'es pas satisfaite par la vie que tu mènes. Tu cherches des réponses à tes questions. Vous parlez au diable, vous? T'as soif d'absolu. Puisque la société t'offre à la place, c'est de consommer. Ça apaise pas la soif, ça. Moi, je t'offre l'autre source. De la source divine. C'est pas une secte. Tout ce que je fais, c'est de donner de l'amour à ceux qui en ont besoin, c'est tout. Assieds-toi. Viens. Assieds-toi là. Parle-moi de toi, Marie. Oh, ben, je suis pas intéressante. Mariée, notaire, sans enfant. Et pas heureuse. Si je me mets à vous parler de mes insatisfactions dans la vie, ça va être long. Je suis née insatisfaite. J'ai tout mon temps. Es-tu heureuse? Je suis pas bien, comme tout le monde. Je sais pas comment dire ça. Je sais pas ce que je fais sur la terre. Il me semble que je suis née pour quelque chose de plus grand que de gagner de l'argent puis de dépenser. Il me semble que
suis faite pour quelque chose de plus grand. Puis tu t'ennuies pas jamais de ta famille, des tiens. C'est ma famille. Ils m'ont choisi, eux autres. Puis tu t'ennuies pas de magasiner? Les biens matériels, ça t'a-tu apporté le bonheur? Bon, écoute, il faut dormir. On se lève de bonne heure demain. Bonne nuit. Bonne nuit. Bon, il est 4h du matin. Ça passe vite. Je t'aime. 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 Je vous aime. Si tu fais un pas vers moi, j'en ferai 20 vers toi. Si tu te laisses aimer par moi, j'entrerai en ton cœur et je t'apporterai l'amour. Abandonnez-vous. Ouvrez vos bras.
vos cœurs, vos esprits. Tant que vous résisterez, vous verrez pas la lumière. Et puis souriez. Vous n'êtes pas venu ici chercher la tristesse, le malheur, non. Vous êtes venu chercher la joie, la vérité, l'amour. Dehors, c'est la tempête. Mais ici, c'est la paix. On ouvre nos cœurs aujourd'hui à une nouvelle âme qui a un nom doux comme le mois de mai. Marie. Marie. Je t'aime. Je t'aime. C'est sa première visite parmi nous. Si vous le voulez bien, on va passer toute la fin de semaine à la remplir d'amour. Oui. C'est pas difficile pour nous autres de donner l'amour. On en déborde. Marie, donne-moi tes mains. Je t'ai choisi pour être à ma droite. T'es assise à la droite de Soum. Comme moi-même, j'ai été assis à la droite de l'être qui m'a tout enseigné et qui m'a fait jurer de vous le transmettre. Je veux... parler ce matin de l'amour global. Ben, et pas toi? Non. On n'a pas déjeuné, on n'a pas dîné, il est passé 6 heures. Si ton cœur était plein d'amour, t'aurais pas faim. La nourriture, c'est pour ceux qui ont le cœur vide. Hey, c'est qui Soum? C'est pas un vrai nom, ça, Soum? Ça veut dire le Big Bang. Ça veut dire le chaos. Ça veut dire le début de la Terre, le vide qui se remplit. C'est ce que tu vas vivre ici, c'est ce que tu vas commencer à vivre. Tu vas remplir ton vide. Comment il va faire ça? Cherche pas à comprendre. Ouvre ton cœur. Puis l'estomac plein empêche le cœur de s'ouvrir. Est fait pour être... oui, heureux. Tu es fait pour le bonheur, oui. Oui. Non, l'homme n'est pas condamné à souffrir. Non, il peut, s'il le veut, atteindre le bonheur, le prendre à deux mains, le faire entrer dans son cœur commun. De se poser des questions. Il faut s'abandonner. Abandonnez-vous. Laissez parler votre cœur. Faut pas que ça passe par la tête, non? Faut que ça passe par le cœur! Oui! Faites taire vos critiques, vos doutes, vos questionnements. Aimez. C'est l'amour qui sauve le monde. C'est l'amour qui sauve le monde. Alléluia! 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 Alléluia!
est ici. L'enfer est sur terre. Et Satan est partout. La guerre, c'est Satan. La récession, c'est Satan. La lutte entre les hommes et les femmes, c'est Satan. C'est Satan. La maladie, c'est Satan. C'est Satan. La cigarette, c'est Satan. C'est Satan qui vous empêche d'atteindre le bonheur en mettant dans vos cœurs le désir de posséder des biens matériels. C'est Satan qui sème le doute dans vos esprits, dans vos cœurs, dans vos... Lui, c'est Satan, vous voyez, il se manifeste. Il est en colère contre moi parce que je le démasque. Satan, sors de cette femme, Satan. Je t'ordonne de sortir de la jambe de cette femme. Regarde-moi. Regarde-moi. Ouvre les yeux, regarde-moi. Donne-moi la main. Donne-moi les mains. Donne-moi les mains. Donne-moi les mains. Regarde-moi. Lève-toi. Fais-moi confiance. Lève-toi. Lève-toi. Lève-toi, lève-toi, mets ton pied à terre, lève-toi, regarde-moi, fais-moi confiance, regarde-moi, as-tu confiance, marche. Satan est sorti. Je l'ai senti sortir. C'est un miracle. Merci, Zoom. Merci. Je l'accepte. Jésus lui-même a été crucifié parce qu'il a dit « Aimez-vous les uns les autres. » Moi, je vous dis, au risque de ma vie, l'amour seul peut changer le monde. L'amour seul peut changer le monde. Marie, es-tu prête à t'ouvrir à l'amour? Es-tu prête à t'ouvrir à l'amour? Es-tu prête à tout abandonner pour l'amour? Es-tu prête à te laisser aimer? Es-tu prête à t'aimer? C'est rare quand même que vous ayez pas le téléphone. C'est une invention diabolique, le téléphone. J'aurais dit à mon mari que je l'appellerais, il va s'inquiéter. J'aurais dû partir avec les autres, je travaille demain. Hey, Soum veut que tu manges avec lui ce soir. On va aller t'en conduire après.
refuses pas ça à Soum. Pourquoi tu penses qu'il veut que je mange avec lui? Il va te le dire. Pas si. Je m'assois? Oui, assis-toi. Je sais ce que tu dis. Je lis dans tes yeux. Tu dis que c'est injuste. J'ai plus besoin de jeûner, moi. C'est Satan qui te met ces idées-là dans la tête. Il veut à lui. Il aime ça que tu sois malheureuse. Mais c'est triste pour lui. Parce que moi aussi, je te veux. Je te veux épanouie. Je te veux heureuse. Comme Sophie, comme Lucie, comme toute la famille. On est une belle grande famille ici, comme avant. Ça, c'est vrai qu'il n'y en a plus de famille. Sais-tu pourquoi la famille éclate? Parce qu'on choisit pas ses enfants. On choisit pas ses parents. On choisit personne. Mais moi, ma famille, je la choisis. Puis une fois que je l'ai choisie, c'est pour l'éternité. C'est que j'ai beaucoup étudié pendant la fin de semaine. J'ai étudié tes pensées les plus secrètes. Puis je pense sérieusement te révéler Non, je sais pas si je peux te faire confiance. Oui, vous pouvez. Je pense te révéler ce que j'ai révélé qu'à ma famille. Vous pouvez me faire confiance. Tu peux. On est tous égaux ici. Tu peux me faire confiance. Tu sais qu'il faut vraiment que tu sois spécial pour que je partage avec toi la révélation que j'ai eue. Michel a attendu 2 ans. Sophie, 5 ans. Non, je suis pas spéciale. Je suis une fille très ordinaire. C'est juste que je sens que je suis sur la terre pour quelque chose, mais je sais pas pourquoi. Tu laisseras pas Satan dire de rire de moi, hein? Tu vas m'ouvrir ton cœur. Tu vas garder le secret que je vais te révéler? Oui, c'est sûr. Oui, je te jure. Je te crois. C'est arrivé, j'avais 8 ans. À 8 ans, moi, je voulais arrêter le temps. J'étais obsédé par le temps qui passe. Je m'assoyais dans la position du lotus. J'avais jamais vu ça, mais je le faisais. Puis j'ordonnais au temps de s'arrêter. Puis une nuit, c'est arrivé. Le temps s'est arrêté. Puis là, j'ai eu une révélation. J'ai vu, comme je te vois là, toutes mes vies antérieures défiler devant moi. 45 000 ans. Puis là, j'ai vu une entité tellement brillante que j'étais obligé de fermer les yeux. Puis elle venait vers moi. Puis là, je l'ai entendue dans tout mon corps. Me dire que j'en étais arrivé à ma dernière vie.
puis que j'avais été choisi pour sauver la Terre. Puis pour ramener vers la lumière ce que moi choisis. C'est que t'es libre, Marie. Je veux dire, tu peux décider de partir, tu peux te lever, sortir. Jamais revenir ici, tu le sais, ça. Mais tu peux aussi choisir de rester avec moi. Pour remplir ton vide, pour trouver les réponses à tes questions. T'as vu tous mes fidèles? Ils veulent tous être choisis par moi. Mais moi, je te choisis, toi, pour combattre Satan avec moi. Pourquoi moi? Parce que je sais que t'es digne d'être choisi. Tu pars 2 jours, tu restes 3 jours. J'étais mort d'inquiétude, moi. Pas de téléphone, rien. J'ai pas eu le temps. T'es où, cette campagne-là? Oh, je suis arrivée de noirceur, je suis partie de noirceur. Pas de téléphone. Ça se peut pas. Ils veulent pas être dérangés. Puis ils font des biscuits qu'ils vendent sur la rue, c'est avec ça qu'ils vivent. Ben, j'ai passé une belle fin de semaine. C'est ça qui compte. Ton linge a pas été porté? Ah ben non, il faut... C'est un genre de spa. J'ai été en robe de bain. Un spa? T'aurais pas pu me le dire avant? Hein? T'aurais chicané, t'aurais dit ça coûte cher. Mais non, mais au moins, je me serais moins inquiété, un spa, franchement. Moi, je t'ai rendu que je te voyais enlever, là, par les extraterrestres, là. Ben voyons donc, je suis le genre encore. Non, mais moi, là, être un extraterrestre, là... J'aurais l'œil sur le beau spécimen. Hein? C'est la plus belle fin de semaine de ma vie. Ça veut dire quelque chose, c'était quoi, donc? Un bain de crème fouettée, quoi? Un bain d'amour. On a pu reparler. On a pris nos vacances au mois d'août. En revenant des vacances... Hey, c'était le fun au lac chez maman, hein? Le manger de maman. Je pense qu'il n'y a rien pour accoter ça. Ouais. J'étais chez tes parents. En fin de semaine, j'aimerais ça qu'on aille... Chez tes parents, il n'y a pas de problème. Non, chez Sophie. J'aimerais ça que tu rencontres la famille de Sophie. Non, c'est 2 familles. Tu vas encore t'embarquer, là. Tu te connais, t'es une tripeuse. La fois, là, t'es embarqué dans la croissance personnelle, 1500. Après ça, ça a été les thérapies, le 750, puis un autre moment non, donné... Non, mais là, c'est pas pareil. Le chef de famille, c'est un homme extraordinaire. Hey, t'en as un homme extraordinaire, puis tu t'en sers même pas. J'ai besoin de plus. Mais moi, tu me suffis. C'est ça, notre problème, Charles. C'est que toi, t'es un matérialiste qui se contente de peu. Moi, je suis une spirituelle qui a besoin de plus. Mais qu'est-ce qui te faut de plus? On a des bonnes jobs, des bonnes autos, une belle maison, des bons parents. Je pense que t'as un bon gars. En tout cas, moi, je vais. C'est décidé. Vas-y. Tu vois, t'as même un mari qui te laisse faire tout ce que tu veux. Merci. Je t'aime. Moi aussi. Hey, c'est combien, là? 7-2. Comme ça, le terrain est libre. Ouais, mais ils veulent combien pour ça? As-tu vérifié si les palmiers sont encore là? Non. Non, vas-y, fais 9 d'achat.
tard, c'est moi qui te rappelle. C'est ça. J'ai eu le temps de réfléchir. Je suis pas heureuse dans ma job. Je suis pas heureuse chez mes parents. Je suis pas heureuse avec mon mari. Je pense que ma place est ici. N'entre pas ici qui veut. Faut passer des épreuves, faut le mériter. Ça me fait pas peur, je suis prête à tout. C'est peut-être un petit peu trop vite. Quand je veux quelque chose, c'est tout de suite. Puis je cherche pas d'hier. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Passer 30 jours ici. Pas voir ni communiquer avec personne de l'extérieur. Une sorte de retraite fermée. Qu'est-ce que je vais faire, mon mari, ma job? Non, je vais m'arranger. Et puis jeûner. J'ai deux livres à perdre. Jeûner 5 jours sur 7. Pendant 30 jours. Pour purifier ton corps. Ça va me faire du bien. Puis tu travailles au biscuit. Ben oui. Je veux rester ici avec toi, avec la famille. Je ne puis jamais retourner chez nous. C'est pas la vie ordinaire. On verra. La balade des gens heureux. Je vais te chanter la balade. Quand elle m'a demandé pour prendre 30 jours de congé, j'aurais dû dire non. J'aurais dû faire une enquête, j'aurais dû y aller avec elle. Mais non. Marie, c'est une fille autonome, libérée. Et moi, je suis un mari moderne. Je l'ai laissé faire ce qu'elle voulait faire. L'obéissance à l'homme, ça avait du bon. Elle est revenue après ses 30 jours, puis là... Bon, c'est quoi, là? T'es tombé en amour avec ce gars-là, c'est ça? Dis-le, faut être en amour pour avoir cette air-là. Tu parles d'amour, tu sais pas ce que c'est. Pas ce que tu me racontes, c'est un fou. On disait ça aussi de Jésus-Christ. En tout cas, en attendant, nous autres, on est mariés. On a un contrat entre nous, t'es notaire, tu dois savoir ce que c'est. Je viens te demander de le résilier. Mais t'es ma femme, puis je t'aime. C'est pas de l'amour d'un homme dont j'ai besoin, Charles. C'est de l'amour global. Écoute, on peut en venir à un arrangement. Y a pas d'arrangement avec Dieu? Non, 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 je veux dire, tu crois en ce que tu veux. Mais tu restes ici. Attends pas là-bas, je sais même pas ce que c'est, tu veux pas me le dire. Je veux travailler pour Dieu à plein temps. Si tu m'aimes, je te demande d'accepter ce sacrifice-là. C'est passé. C'est pas toi, ça. Qu'est-ce qu'il a fait, ce gars-là? Un miracle. Sur ma façon de diriger mon mouvement? Moi, non! Vas-y, je t'écoute. Ben, j'ai pas de remarques.
Je lis dans vos pensées. Mais j'en ai pas, je suis très heureuse. Ici. Regarde-moi dans les yeux. Baisse les yeux, orgueilleuse. Regarde-moi. Madame porte des jugements sur moi. Sur vous. Je pense qu'elle a besoin qu'on lui dise ce qu'on pense d'elle. Il commence. Bon. Ben, on fait le tour de la table dans le sens des aiguilles d'une montre. Lise. Elle lève le nez sur moi parce que j'ai déjà été prostituée. I'm snob. Je savais même pas. Et toi, t'écoutes et tu te tais. Tu nous juges pour qu'on ne jugerait pas. Ceux qui jugent seront jugés. C'est interdit de se mettre du blush sur les joues. Elle en met, je l'ai vu. Elle veut nous surpasser. Je suis verte, je suis toi. Elle pique des noix dans la réserve. Je l'ai vu. J'ai faim. C'est pour continuer à travailler. Prétentieuse, hypocrite, menteuse et voleuse. Elle a mangé un hamburger au village. C'est vrai, je l'ai vu. Hein, Paul? Dis-le. Puis elle t'en a payé un. Dis-le. Je l'ai vomi après. Je me sentais tellement coupable. Paul. Elle a de l'argent. Où c'est qu'elle prend ça, cet argent-là? Oui. Est-ce qu'on peut savoir où tu prends ça, cet argent-là? Personne n'a d'argent ici. C'est moi qui tiens le portefeuille. Hein? Tu m'as fait les poches, c'est ça, hein? Tu m'as volé, voleuse! Paul, peux-tu dire quelque chose? Elle a une petite réserve, ça. Une petite réserve? Mais t'es pourri! T'es complètement pourri! C'est rien, ça. Elle essaie de nous monter contre toi. Oh non, c'est pas vrai! Hey, Sophie! Sophie, dis-le, toi! C'est la vérité. Non! Tais-toi! Parle. Je suis bien ici. Je veux savoir tout ce que t'as à me reprocher. Tout. Rien. Rien? Veux-tu que je les sorte du corps, les mots, un à un? J'ai juste dit que je trouve étonnant que tu défendes à Paul puis à Joseph de faire l'amour puis que tu couches avec elle. Elle est jalouse. Je vais t'expliquer. Pour la millième fois, stupide, que c'est par la chasteté que Paul et Joseph arriveront à l'immortalité. Moi, j'ai été mandé pour choisir des immortels. Moi, je vais mourir. Moi, j'ai le droit de profiter de la nourriture, du vin et des femmes. Peux-tu comprendre ça? Est-ce qu'il va falloir que je te l'explique encore? Quand est-ce que tu vas comprendre ça? Je choisis des immortels, mais pour être immortel, faut le mériter. Satan! Et arrête pas de me faire douter de toi. Oh, je t'en supplie. Je t'en supplie, je veux croire. Menteuse, sors, voleuse, Satan, moi, sors-le. Menteuse, voleuse, oh, oui, hypocrite. Oui, oui, menteuse, oui. Voleuse, je veux croire. Hypocrite, je crois de plus en plus. Il y a juste voleuse, des petits doutes, c'est Satan. Sors-le. J'ai rien à faire des gens qui doutent. Je te laisse à Satan. Oh, Zoom, je crois en toi. Je douterai plus jamais. Tu mérites pas que je lève le plus petit doigt pour toi. Non, non, je te jure, je vais travailler plus, je vais jeûner, je vais pas dormir, je vais te donner tout ce que j'ai, je vais faire tout ce que tu veux, je vais baiser tes pieds. Je t'en supplie. Hypocrite, menteuse, voleuse. Tout de suite. Dans ma chambre. Vous pouvez manger une autre portion de riz. Que tu doutes de moi, ça me blesse tellement. Moi qui t'ai accueilli ici. Moi qui ai partagé mon secret avec toi. Moi qui t'ai choisi pour vivre éternellement. Oh, je suis une ingrate. Je douterai plus jamais, je te jure sur la tête de mon...
Je te jure sur ma vie que je douterai plus jamais. J'ai d'autant plus de peine que moi je t'aime. Moi aussi. Si Dieu t'a mis sur mon chemin, c'est pas un hasard. Y a pas de hasard. C'est que tu m'étais destiné. C'est que t'étais destiné. Dieu n'a pas fait le monde pour le faire mourir. Ce serait illogique. Et Dieu est toute logique. Dieu a fait le monde pour que les hommes y vivent heureux, en santé, éternellement. C'est Satan qui met des bâtons dans les roues du plan divin en vous rendant malade. Oui. Et c'est en sortant Satan de vous que je peux vous guérir. Oui. Plus la maladie est grave, plus Satan est fort. Oui, oui. J'ai guéri des cancers avancés. Oui, oui. J'ai sorti des paralysés de leur chaise roulante. Oui. Oui. Je me souviens, une mourante est venue jusqu'ici. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai ordonné à Satan de sortir de son corps. Oui. Elle est partie sur ses pieds. Oui. En santé. Oui. Moi-même, je me suis guéri d'un cancer du poumon. Oui. La foi seule peut vaincre Satan et guérir les malades. Avez-vous la foi? Oui. Croyez-vous que je suis sur terre pour vous sauver? Oui. Aspirez-vous tous à être partie de la famille divine? Oui. À devenir l'élite de la société future? Oui. Aimez-vous? Oui. Croyez-vous en moi? T'es nouveau ici. Bienvenue dans nos rangs. On lui fait un banc d'accueil? Oui. On lui fait un banc d'accueil? Oui. J'aime, 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 j'aime. T'es venu chercher la réponse à tes questions, c'est bien. Et hey, toi, je veux rien savoir de toi. Je suis juste venu chercher ma femme. Je suis son mari, puis je l'aime. Je garde personne de force ici. Non. Est-ce que je garde quelqu'un de force ici? Non. Non. Marie, est-ce que je t'oblige à rester ici? Non, je suis libre. Plus libre que je l'ai jamais été. Mais ta place t'attend chez nous, Marie. J'ai trouvé ma place et c'est ici. Mais ta famille? Et ma famille, c'est eux autres! Oui. Eux autres? Oui. Ta famille? Mais c'est tout des malades, et vous?
Ce gars-là, c'est rien qu'un maniaque sexuel! Non, mais tout ce qu'il veut, ce gars-là, c'est votre argent, c'est clair! Non, non, non. Mais vous êtes toute une bande de naïfs! Réveillez-vous! Vous êtes en train de devenir des robots à sa merci! C'est Satan, ce gars-là! C'est Satan! Est-ce que je peux être Satan? Non! C'est mon pire ennemi! Non, je veux pas comprendre! Mais c'est vous qui devez comprendre! Tu vois pas, mon pauvre frère, tu sers de quoi, Satan, pour nous persécuter? Mais plus on est persécuté, plus on est immortel, c'est le prix à payer. Si on n'était pas important, on n'aurait pas de détracteurs. Il faut qu'il sache. Je pense que notre frère ici a besoin d'amour. Ah oui. Oui. Et puis on va lui en donner. Oui, oui. Ne laisse pas passer. C'est pas vrai. La chance d'aimer. Bullshit! C'est de la bullshit! C'est un menteur, ce gars-là! Mais rendez-vous compte que c'est une secte ici! C'est une secte! C'est une... T'as fait un fou de toi, là. Là, là, tu t'en viens tout de suite, OK? T'es violent, Charles. Mais tu te rends pas compte que ce gars-là t'a lavé le cerveau? Qui te manipule? C'est toi qui essayais de nous manipuler. Mais c'est un fou, ce gars-là! Tu le vois pas? Tu le vois pas. Écoute, Marie. Ce gars-là t'a tout changé. Oh, j'espère bien. Ça n'a pas d'allure, ce que tu dis. Et puis je porte son enfant. Ça se fait pas. On a essayé pendant 10 ans, t'es stérile. Il a fait un miracle. Oh mon tabarnak! Tu vas laisser ma femme tranquille. Je vais mettre la police après toi, je vais mettre les avocats après toi, je vais mettre une bombe dans ton assiette de secte! On est dans un pays libre. Chacun est libre de choisir sa religion. Je suis inattaquable. On n'a pas le droit de laver le cerveau du monde! Il faudrait faire arrêter les hommes politiques, les publicistes. On n'a pas le droit de faire travailler les gens pour rien! Et le bénévolat? En tout cas, c'est ma femme. Elle s'en vient avec moi. Ben, on pourrait peut-être lui demander à elle ce qu'elle en pense, non? Marie? J'ai enfin trouvé un sens à ma vie. Je suis heureuse. Je reste ici. Mais Marie, je suis ton mari. Puis je t'aime. Moi aussi, je t'aime. Puis j'aime le monde entier d'un amour global. Puis je veux sortir Satan du monde entier. Viens te joindre à nous. Laisse-moi t'aider à sortir Satan de ton corps et de ton cœur. Viens te joindre à nous. Et peut-être que tu seras choisi, toi aussi, pour vivre éternellement. Je ne sais pas ce que je vais faire. Mais je vais faire quelque chose. Pourquoi le monde est sans amour? Ça ne peut pas durer toujours. Pourquoi? Bonne nuit. Sans bonne nuit. Est-ce que vous allez? Il n'y a pas de préféré ici. On est toutes égales. On a toutes droit à la sève divine. Moi, je suis sa première femme. Je suis toujours. Mais moi, je porte son enfant. C'est vrai? Pourquoi le monde est sans amour? Pourquoi le monde est sans amour? Pourquoi le monde est sans amour? Mais pourquoi il rit? Pourquoi le monde est sans amour? Qu'est-ce que c'est que ce rire-là? Pourquoi le monde est sans amour? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne peut pas durer toujours. Pourquoi le monde est sans amour? Oh, Paul, qu'est-ce que je fais? Hé, hey, tu peux pas y aller si t'es pas invité. Je suis sa femme. Hé, hey, pas de ça, là? Je porte son enfant. Hé, c'est toi. Tu veux passer quelqu'un? Oui, hein? T'as pas vu passer Marie, je l'ai pas vu passer, moi. Ah ben, juste là. On est dehors, là. Comment ça, on est dehors? On travaille dehors en ce moment. On est dehors.
Il fait pas chaud, là. Ouais, la nuit, le temps fraîchit. J'ai amené ma tuque. Ouais, pourrais peut-être amener ton cerveau de temps en temps aussi. Pourquoi Eric, quand je leur dis... Les plans divins, chaque fois qu'on est enceinte, on avorte. Mais je veux pas avorter. Comme il veut pas qu'on prenne la pilule, moi, je suis rendue à 6 avortements, Carole à 4. Non, 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 je garde cet enfant-là, ça fait 10 ans que je l'attends. Si tu veux vivre toujours, si tu veux pas que Satan s'empare de toi, puis tu peux... Non, je veux ce bébé-là, je l'aime, puis je le... Chut! Il faut dormir si tu veux avoir des forces demain pour travailler. Bonne nuit. Je suis tellement fatiguée, penses-tu que je pourrais avoir un peu plus à manger? Je vais en parler à Soum demain. Bonne nuit. Merci. Je suis le représentant de Dieu. Sinon, j'aurais pas vu l'entité, je l'ai vu. J'aurais pas entendu la révélation, je l'ai entendu. Puis tu m'as vu faire des guérisons, je guéris des malades. On dit dans le village que je guéris des malades imaginaires, mais je les guéris pareil. C'est comme la famille, je les force pas à rester ici, ils restent, c'est leur choix. Dieu parle par ma voix. Sinon, pourquoi est-ce que vous m'obéiriez? On me reproche d'accepter des dons en échange des guérisons, mais les médecins et les psychologues le font. Je rends des gens heureux, on me persécute. S'il y avait encore des croix, on me crucifierait. Oh, c'est pas correct. T'es tellement bon, tellement juste. Ils te connaissent pas, ceux qui te persécutent. C'est des possédés du démon. Faudrait partir ensemble. Toute la famille. Loin. Au soleil, au bord de la mer. Vivre juste entre nous. Toute la famille, la future élite du monde. Là, là, on serait à l'abri des critiques. Au soleil, Satan se montre moins, il aime pas la chaleur. Où es-tu, Marie? Dans une belle grande maison au bord de la mer, hein? Me vois n'importe où avec toi. Avec la famille. Ouais, c'est juste un rêve, j'ai pas assez d'argent. Vous me coûtez cher. C'est une question d'argent? Non, j'accepte pas d'argent de ceux que j'aime. Écoute, j'ai la moitié de tout ce qu'on possède, mon mari et moi. Je demande tout de suite mon dû, puis je te le donne. Pas à moi. Au mouvement. Puis je donne au mouvement tout ce que j'ai, c'est la moindre des choses. Donne-moi ta main. C'est pour vous autres. Tu le sais que c'est pas pour moi. Je sais. C'est pour les pauvres. Madame, monsieur, à la maison. Des bons biscuits faits à la maison, dans l'ancien temps. Madame, monsieur, c'est pour les pauvres. C'est pas pour moi, c'est pour les pauvres. Achetez des bons biscuits faits à la maison, comme dans l'ancien temps. Madame, monsieur, c'est pas pour moi, c'est... Bonjour. Je pensais qu'on serait plus seuls, tous les deux. On est des sœurs dans l'éternité. T'as l'argent? Non, pas sur moi. 100 000 piastres cash. Ça déforme les poches de vie un peu. Mais je t'avais dit. Marie, on n'est pas divorcée. Tu me demandes la moitié du condo, la moitié de l'auto, la moitié du patrimoine. On divise pas ça en deux comme ça. Ça prend des papiers. Tu peux pas me faire confiance? C'est pas que je te fais pas confiance. Je te demande simplement de me signer des papiers. T'es un notaire, tu dois comprendre ça. Donne-les tes papiers. Non, pas ici. Écoute, on va aller au bureau. C'est juste à côté. On peut pas signer des papiers ici. J'aimerais ça que tes anciens compagnons travaillent pas comme des belles. 100 000 piastres, hein? 10 minutes?
C'est pas pour moi, c'est pour la famille. Je le sais que c'est pour la famille, puis c'est bien correct. Mais les papiers aussi, c'est important. Avec signature, 10 millions, puis tu t'en retournes avec 100 000 piastres. Vous auriez pas voulu que je vous donne ça en plein milieu d'un parc, dans une valise en coupure de vin? Vous auriez pu vous faire voler, c'est pas mieux? Je vais y aller avec elle. Pas de problème, ça. Ça me dérange pas. Charles Valois, Marie Valois. Marie, c'est papa puis maman, c'est nous autres. Il paraît que je vais être grand-mère. Oh, je suis bien contente. Dieu dit quelque chose. Mais tu peux Marie. Me regarder, petite fille. Je te mangerai pas. Mais voyons, Marie, c'est maman. Satan! Marie! J'haïs bien ça, faire ça. J'avais pas le choix. J'ai pas trouvé d'autre moyen pour te sortir de là que de t'enlever. Satan! Vous êtes Satan! Mais voyons, c'est pas Satan, c'est maman. C'est fou ce que tu dis là. Satan! Marie, tu t'es fait prendre dans une secte. Ce gars-là se sert de vous autres pour faire de l'argent. Il a une propriété dans les Antilles. J'ai la preuve avec moi. Écoute-les, là. Il sait ce qu'il dit. Marie, écoute-moi. Tu t'es fait manipuler par ce gars-là. T'es personnalisé. Affamé pour mieux te rentrer ses idées dans... Marie, écoute-moi, Marie, je t'aime! Marie, je peux pas dire ça! L'enfant, c'est pas ça! Charles! Je vais dire que tu m'as violée! T'as pas le droit de me retenir. Je peux choisir de croire à qui je veux, je suis libre. Mais t'es pas libre. T'es l'esclave de Soum. Là, là, tu vas rester ici. Ça va prendre le temps que ça prendra, mais je vais te faire comprendre que ce gars-là, c'est un homme dangereux. Savais-tu que ce gars-là a déjà fait de la prison pour fraude? Le savais-tu? J'ai les preuves avec moi! Je suis enfin heureuse. Mais non, tu peux pas être heureuse, ma pauvre petite fille. Regarde-toi donc, t'es bien comme un chicot. T'es un robot. C'est pas heureux, un robot. Donne-moi l'argent. Pour que t'aies le donné à ce fou-là, non. Tu m'as trompé. Toi. Puis toi, tu étais supposé être stérile. Je veux l'argent, c'est mon argent. Jamais! Donne-moi mon argent! Marie, je veux pas que tu t'en ailles. Je veux que tu restes ici, je t'aime. Non!
on va faire peur aux voisins. Nous, vous en. Viens-t'en. Laisse-la se remettre de ses émotions. Je vais lui faire à manger. Ça va lui faire du bien. Sentais avec moi. Écoute, j'ai toujours eu peur des hauteurs, puis là, j'ai pas eu peur. Oh. Oh, je suis contente d'être ici. Mais j'ai pas l'argent. C'est pas grave. J'ai pas l'argent. Mais, écoute. Mais ça, je vais l'avoir, je divorce, puis automatiquement, j'ai ma part du patrimoine. Quand? Tout de suite. C'est que t'es la seule ici à avoir une tête sur les épaules. Quand je partirai, je veux que ce soit toi qui prennes la tête du mouvement. Rebelle, je veux la garder. Moi, j'ai pas de fille, moi, je veux une auto. Sors de là! Si tu fais là! Hey, Josette, tu sais pas comment ça marche, ça! Chante là ta chanson, l'oiseau le fait. Une nouvelle à vous annoncer. Quand je partirai, c'est Marie qui prendra la tête du mouvement. Elle sera soum. Avec un E muet. On va chanter une chanson pour son retour. Fais comme l'oiseau. Sa vie d'air pur et d'eau fraîche, un oiseau. D'un peu de chasse et de pêche, un oiseau. Hey, je vais le dire, elle chante sans Joseph, sans suite, sans. Garder le bébé? T'as dit quoi? Je voulais garder mon enfant, c'est à moi. Qui décide? C'est mon corps. Qui décide? Ton corps? Tu m'as fait ton égal hier, je m'appelle Sou. Je suis pas encore partie. C'est moi le maître et t'obéis. Je vais t'obéir pour tout ce que tu veux, mais pas pour ça. T'as le choix, Marie. C'est l'enfant ou c'est moi? Je veux pas tout avoir. Choisis. Moi. Je peux pas choisir. Je veux tout. La famille, toi, bébé. Son cercueil est prêt. Il va être heureux. Je lui épargne une vie gouvernée par Satan. Déshabille-toi. Est-ce que je peux avoir une journée pour m'habitualité? Non. Non, le jour va bientôt se lever. Faut l'enterrer avant que le village se réveille. Une heure? 5 minutes.
ça, le cimetière? J'aimerais ça voir. Dans le bois, en arrière. Les roches blanches, c'est les pierres tombales. Je vois dans tes yeux que tu décides ce qui est le mieux pour toi et pour lui. C'est bien. Tu sais que je t'aime. Je vais y aller avec toi. Non, j'ai besoin de 5 minutes seule. Après... Tu feras tout ce que tu penses être bon pour moi. 5 minutes. Satan va s'occuper de la punir. Son enfant va être mort-né. Bon. Faut la remplacer. C'est cette femme que je dois avoir, pas 6, vous le savez. Je compte sur vous pour trouver une remplaçante, puis riche autant que possible, si on veut avoir notre maison dans les Antilles. C'est quoi ces phases d'enterrement-là? Je veux que ma famille soit joyeuse. Puisqu'on est si bien ensemble, pourquoi donc se séparer? Puisqu'on est si bien ensemble, pourquoi donc se séparer? Puisqu'on est si bien ensemble, Sophie, pourquoi donc se séparer? Puisqu'on est si bien ensemble. Oui, je comprends, mais j'aimerais mieux vous acheter des riz. C'est sûr, je vois la bourse, c'est intéressant, mais... M'enlevez mon enfant. Vous allez m'excuser, je vais vous passer un collègue, OK? Un grand A, c'est l'amour.